What's up gens j'espère que vous allez tous magnifiquement bien se aujourd'hui pour une magnifique nouvelle vidéo, un nouveau let's play les amis aujourd'hui Sur le serveur euh, Hard Fight Beaucoup de gens l'attendaient ce serveur les amis parce qu'il y a eu euh, des pré précédentes versions qui étaient assez, euh, assez connues, on va pas se le cacher. Euh, moi j'ai pas joué sur ce serveur-ci par exemple, mais je sais qu'il y a beaucoup beaucoup de gens qui ont joué dessus. Et déjà il y a juste à l'ouverture tout à l'heure quand je me suis connecté il y avait 500 personnes environ. Donc euh, c'est déjà... Euh, Plutôt pas mal comme on dit Donc aujourd'hui j'ai pas décidé de vous présenter le serveur Parce que je le connais pas encore ex extrêmement beaucoup C'est juste plus une petite vidéo pour vous euh, Vous annoncer que je joue sur le serveur Je vais quand même essayer de vous présenter Puis découvrir les trucs en même temps avec vous Et puis euh, c'est tout J'ai eu un grade youtubeur Tantôt il y avait un admin de connecter Et puis voilà donc j'ai eu un grade youtubeur. Euh, je sais pas, comme je l'ai dit, je sais pas si le, je vais faire un let's play genre magnifiquement grand. Mais je sais que je vais faire quelques épisodes dessus. Parce que c'est le serveur du moment. Euh, sur, sur launcher, c'est serveur du moment. Et puis il me plaît euh, vachement. Enfin, il me plaît. Je veux dire, euh, j'ai vu vite fait euh, pas mal de trucs qui, qui, qui avaient l'air intéressant en me connectant. Et puis voilà. À la base, euh, je devais poster un trailer. Mais bon, j'ai dit, ouais, les trailers, les amis, c'est pas tellement ce que j'aime faire. Donc voilà. Euh, donc ici, qu'est-ce qu'il y a La forge d'Ortfight. Donc en gros, ça une sorte de forge. Est-ce qu'on peut mourir Non, merde. Je voulais mourir. Zut. Voir refaire slash spawn. Euh oui. bye Visia. C'est qui lui? Amine là là. J'ai des armures spéciales aussi. Ça c'est le kit de départ. Je me suis déjà éloigné. J'ai déjà joué un peu les ennemis. Je vais pas vous cacher. J'ai un homme assez loin. Donc ouais. Ça c'est une forge ici. Ici on a une sorte de banque XP, Donc so, quand on aura des XP on pourra les mettre ici. Et puis quand on aura les euh, l'XP en fait. Euh, on pourra la récupérer, je pense, puis la reprendre là en cliquant sur le panneau. Je crois que c'est genre clic droit. Attends, pas Non. you don't have any experience. C'est ce que je disais. Ensuite, ici, on a quoi euh... Ouais, très beau shop, sa mère, les amis. Donc, pas mal d'items en vente, comme vous pouvez voir, témoigner. Euh... C'est quoi qu'il y a sur les boules ici Ok, pourquoi il y a une plaque là C'est stressant ça. Enlevez ça. <laughs> euh, c'est quoi ici, en vrai ah, il y a des choses ici. Modérateur actuel, Modo Dusty, euh, NG quelque chose de merde, Chef Modo Freeze, Admin Met, euh, ensuite Max, Grand D6mac. Team bull Neolisia. Ah, Neolisia, ils ont fait un beau boulot, j'aime bien le spam personnellement. Donc ensuite on a quatre sorties, on a Top d'enchantement je crois, ouais. J'étais pas sûr pour un instant j'ai genre hésité, vous voyez. Ah, donc on va sortir au PvP, je vais vous montrer un peu vite fait le truc. Donc, la Warzone, j'espère qu'elle ne va pas me faire suivre par exemple. Non, c'est bon. Donc, euh, All Fight ici. La Warzone est quand même stylée. Euh, moi, j'aime bien la Warzone. Enfin, c'est pas nécessairement full plate. Maintenant, les serveurs, qu'est-ce qu'ils font Ils font tout le temps des serveurs, genre, euh, full plate. Puis c'est vraiment, vraiment, vraiment fatigant. Euh, j'aime bien le, le genre de scoreboard ici. Genre, on peut voir notre faction. Donc, nous, la faction, c'est LOL. Mais bon, on va changer le tag. Donc, on va s'appeler euh, B3. Mais je vais rejoindre une faction genre. Oh, il y a déjà quelqu'un qui a pris la B3. Really, les Qui pris. Uh, wow! Wow! Really, faggot? You already take it? You you think you're funny? Like, wow! On va faire ça, On va écrire, euh, F tag? Icons? No, I don't put my icons. I fake. I fake. Voilà. X D. Donc euh, voilà. Notre, non c'est iFax, notre power, notre power je suis mort une fois, mon argent. enfin j'aime bien qu'il y ait un petit scoreboard. J'aime bien aussi qu'on puisse voir ici dans quel type de claim qu'on est. Comme, comme, comme ça, on peut se promener. pour oublier d'avoir la F-Map on et on peut voir directement où sont les, euh, les trucs. Par exemple, je vous donne un exemple tout con. Par exemple, il y a une faction où vous êtes en train de marcher. Oh, oh, il y a un claim, Je suis dans une nouvelle faction, vous voyez, vous pouvez voir. Puis là, quand on va aller dans des claims libres ou dans proche des AP, vous allez voir. Je crois que c'est ici. Ouais, ici. Qu'est-ce que ça fait comme par exemple regardez ça nous met ici genre dans quelle faction qu'on est donc le power le nombre de membres le chef c'est ça on le nombre de claims Donc, je trouve ça vraiment chill puis en plus euh, ça en plus vous voyez votre truc ici euh, de claims donc on est dans le claim de realwin la Yuma bro et tout ça donc ça je trouve ça vachement stylé je sais pas s'il y a d'autres serveurs qui font ce genre de type là mais bon je trouve ça cool ou si vous avez la commande ask euh, je sais pas qu'est-ce que ça fait mais bon euh, salut la NONU recommande d'avoir au moins trois mots dans une question pour qu'elle soit compréhensible. Waouh, ok. Euh, mais en gros, ouais, c'est genre... Euh... Ah, ok, ok, je comprends. En gros, c'est genre, vous posez votre question, puis la personne va vous répondre, là. Euh, la, la, la console ou whatever va vous répondre, je crois. Je sais pas c'est qui. Quoi, sûrement les guides ou quoi que ce soit. Il y a plein d'autres trucs qui sont vachement stylés, mais j'ai oublié. Bon, pour ceux qui étaient sur les anciennes versions, en gros, qu'est-ce qu'ils ont rajouté C'est qu'ils ont rajouté les boîtes mystères au spawn que je vais aller vous présenter euh, ils ont rajouté aussi un nouveau spawn nouvelle warzone euh, le launcher euh, ils ont fait des mises à jour je crois qu'il doit y avoir des, des trucs qui ont été modifiés j'imagine dedans euh, après ça je connais pas les anciennes armures donc je pourrais pas vous dire mais ils ont rajouté ces genres de coffres là donc dans ces coffres là en gros ça vous prend euh, des, des clés euh, et puis une clé en callbat. en gros vous pouvez gagner 2000 po kit maître kit maître 10 euh, puis 5 euh, en gros ouais tous ces items là dans cette boîte obsidienne, vous pouvez gagner euh, colbat P2, euh, Kit Maître, Épée euh, T3 Rubis. Et euh, deux fois d'obsidienne kit farmer. Le rubis, vous pouvez gagner ça. Et puis l'émeraude, vous pouvez gagner ça. Donc sincèrement, je pense que l'obsidienne ici, c'est sur le serveur, ça doit être le truc le plus puissant. Enfin, je pense. Je suis pas sûr. Euh, faudrait être sûr. Il y a pas un genre de place pour montrer les minerais là. Non, Je pense pas qu'il y en ait. Fuck, euh, C'est pas tellement grave Parce que je serais déjà rendu à un homme moins En fait c'est mon seul on. Comme j'ai dit j'ai quand même joué pas mal J'suis genre un peu loin, un peu plus loin que 8000 blo euh, blocs Donc euh, je suis quand même assez loin euh, Je vais continuer à m'éloigner Je pense qu'on va faire un genre de sky base dans les alentours ici Parce que Non ok Je pensais qu'il y avait des trous pour descendre J'avais dit what? Euh, je crois que je vais continuer à m'éloigner je pense que pour commencer, comme j'ai je dit, je vais pas faire de faction cette fois-ci, je vais rejoindre une faction. Donc, si vous avez une faction et vous êtes prêts à m'inviter, les amis, dites-le moi, je vais rejoindre une faction. Euh, je vais faire des épisodes, euh, je sais pas combien par semaine, mais je vais essayer de faire des épisodes dessus. Euh, là, bien entendu, vous avez compris, c'est les heures québécoises, donc il y a un petit peu moins de personnes, mais ça reste qu'il euh, pour... y a 22 heures chez moi, bientôt 23 heures. Ça reste qu'il y a quand même euh, une soixantaine de personnes, 50 personnes exactement, donc c'est pas euh, c'est pas mauvais comme on dit. Et puis voilà. J'espère sincèrement les amis que ça va vous faire plaisir. Euh, je sais pas encore, je connais pas beaucoup le serveur comme j'ai dit. Je connais pas presque rien du serveur, donc euh, je sais pas si c'est, je sais pas si ça va être, vous allez genre être là. Oh my god, il connaît rien, il dit de la merde et tout. Je m'excuse. Euh, J'essaie de découvrir un serveur comme une personne comme vous qui se connecte sur un serveur normal. Je veux dire, euh, je suis pas rémunéré pour faire une vidéo sur ce serveur là ou quoi que ce soit. Sur... Je veux dire, ils m'ont rien expliqué du serveur. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Je suis arrivé, je me connectais, ils m'ont mis un grade parce qu'ils m'ont vu connecter, et puis voilà, quoi. Et euh, j'espère sincèrement, les amis, que vous allez. Euh, que vous allez apprécier, dans le fond, ouais. ce premier épisode, même si c'est un peu de la grosse merde, en fait, j'essaie juste de m'éloigner. Euh, oh, il y a un à l'horizon, les amis! Et, euh. Ouais, j'espère que ça va pas vous faire trop chier. Je pense qu'on était sur cette île-là. Ah oh non, c'est juste qu'on est dans le même bion. sur les îles se ressemble. Ok, ok. Donc ouais, comme j'ai dit, je vais commencer peut-être par faire un skybase, comme j'ai dit, le temps que je recrue, que j'ai des, des gens, parce que je pense que j'ai des kits, je crois. Oh mon dieu, j'en ai des kits. J'ai kit maître farmer et plein de trucs. So, oh. Ok, il y a déjà quelqu'un qui est passé par ici. Euh, j'ai apprenti, XP, explorateur, construction, destructeur, chimiste, guerrier, légendaire, farmer, maître ingrédient. Ok, 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 ok. Donc euh Oh y a une base en haut. What? Y a une base en haut les amis. What? C'est genre un champignon? C'est fucking bizarre. Ça se trouve c'est même pas une base, c'est juste un, un cube comme ça genre en stone brick. Ça se trouve y a de la grosse merde puis je dis de la grosse merde. Que je pensais c'est juste une source d'eau qui savait pas générer que okay, vous êtes prêts allons à l'aventure allons à l'aventure ah oh, voilà voilà c'est tout c'était tout pour moi les amis c'était icons bonne fête journée. journée n'oubliez pas de laisser un pouce bleu si vous êtes content de me voir sur Red fight et puis dans le prochain épisode les amis j'essaierai de faire genre du pvp ces trucs là ben dans le prochain épisode on va sûrement créer une skybase Ouais, on va sûrement créer une Scalabase, enfin créer. On va surtout euh, s'éloigner en ce moment pour la créer. Dans le prochain épisode, je vous la présenterai. Je vais aussi euh, essayer de voir si je peux même pas me faire recruter par une faction. Donc vous allez m'aider si vous voulez faire une faction, comme je dis. Vous voulez me recruter, vous me le dites dans les commentaires. Et puis euh, quand vous me voyez sur le serveur, vous me le dites genre, oh, icon, évite-moi, 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 icon, évite évite blabla. Et je verrai. Euh, bien entendu, je veux pas que vous soyez fâchés si je choisis pas votre faction, les amis. Je vais choisir la faction qui me paraît le plus avancée pour que je puisse vous, préparer, vous proposer des vidéos. Euh... De meilleure qualité je pense qu'on peut dire ça ainsi. Ouais voilà. Donc voilà. C'est tout ce que j'avais à vous dire aujourd'hui les amis. J'espère que ça vous fait plaisir. Moi ça me fait extrêmement plaisir de recommencer le serveur launcher. Ça faisait très longtemps que j'en avais pas fait. Après, j'ai présenté vite fait Guilla Serveur. Mais Là, vraiment, je suis vraiment content, les amis. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire, les amis. Si vous êtes contents aussi, laissez un pouce bleu. Je vous aime. c'était Iconz, le Pikachu de l'Internet. Bonne fin de soirée.